Bonjour à tous, un nouveau groupe 3 au programme ce mardi avec le prix Djemel. Invaincu depuis ses débuts avec des succès dans le prix de Fabron, le Joseph Collignon et la Californie cet hiver à Pau, le numéro 3, l'Azat, fait figure d'épouvantail dans cette épreuve. Les limites de se protéger de Jérôme Régnier sont en effet inconnues. La Californie, c'est plutôt sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Hein. Pour sa première sur un tracé rectiligne à ce niveau, il ambitionne de marquer les esprits. La logique voudrait lui opposer le numéro 7, Devil's Point, qui s'est classé deuxième d'un groupe 1 à Doncaster en fin de saison dernière. Mais moi, je crains pour lui la rentrée, raison pour laquelle je lui préférais l'As, Kéran, qui a été façonné avec succès par Jean-Claude Rouget en province et qui vient de crever l'écran lors d'un succès sur le sable cannois dans une classe 2. Alors oui, la donne change ce mardi, mais on n'est pas à l'abri d'une révélation. C'est un petit coup de poker à tenter. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la cinquième.